Salam à tous, bienvenue sur notre chaîne Suspense Factory. On espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment. Quant à nous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour la suite de notre histoire, de notre témoignage, pour la suite de ces faits étranges qui se passent là tout autour de nous. Donc, sans plus attendre, on vous laisse vous mettre à l'aise, petite lumière tamisée et silence. Ça commence. Petit récapitulatif. Camélia était partie à sa petite après-midi avec ses amis qu'elle s'était faites sur l'île. Elle était d'apparence un petit peu négligée, fatiguée, son teint s'était assombri. Et certaines de ses copines avaient remarqué ça. Et l'une d'entre elles, qu'on avait appelée Maya, l'avait appelée dans la cuisine et lui avait fait un petit peu la morale. Il lui avait dit: Camélia, méfie-toi, ne t'arrête pas aux choses splendides qu'il y a sur cette île, parce qu'on l'a tous fait, mais on a tous vécu des choses qui sont traumatisantes. Il y a quelque chose sur cette île qui est pas normal. Les gens sont bizarres, les gens font des sacrifices, les gens ont une apparence le jour et une autre la nuit. Il faut absolument, absolument que tu commences à faire quelque chose pour toi et ta famille, parce qu'en tout cas sur toi, on peut voir que tu portes des traces, comme quoi le mal est déjà en train de te frapper. Et il y avait la deuxième copine, Sania, qui était arrivée et qui avait, elle, subhanallah, donné son témoignage à Camélia en lui disant: moi, ma fille, elle est devenue folle ici, par exemple. Et on a essayé de la soigner, elle n'a pas totalement recouvert la santé, mais on est déjà satisfait de ce qu'elle a récupéré. Elle avait donné l'exemple aussi d'une autre amie et voisine qu'ils avaient eue dans la même rue, en fait. Parce que le point en commun avec Camélia, c'était qu'en fait, par exemple, Sania, elle avait habité dans la même rue. Elle va parler de Chloé. Chloé, une autre personne, une autre expatriée qui, elle, avait aussi habité dans la même rue. Et elle avait parlé en fait d'un couple qui avait également habité dans la même rue et dont la femme avait fini en psychiatrie. Et tous, semblaient avoir vécu en fait, franchement, des attaques mystiques. Et tous semblaient avoir de très gros problèmes pour de très petites choses rationnelles. Comme Chloé, elle était en désaccord avec ses propriétaires. Bon, ben, quand on a un désaccord avec quelqu'un, en général, bon, ben, on a un désaccord, c'est le propriétaire, d'accord, mais bon, on ne s'imagine pas que le propriétaire, il peut, sur une île, faire partie, en fait, de ces personnes, en fait, qui ont une face devant vous et une autre derrière. Voilà, un visage le jour et un autre la nuit, comme l'a précisé Maya, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, à ce moment-là, Camélia, elle prend conscience des choses et ça lui fait l'effet d'une bombe dans la tête. En fait, c'est comme si inconsciemment, en fait, on essaie de se persuader que concrètement, il n'y a rien, faut pas se faire de film, non, faut pas être paranoïaque, etc. Et évidemment, on ne va pas encourager la paranoïa sur cette chaîne. Mais à un moment donné, si on est adulte et responsable, tout simplement, quand quelque chose ne va pas, qu'on a regardé le côté rationnel sincèrement, et qu'on a fait le tri, s'il fallait changer quelque chose en nous, par exemple un défaut, une imperfection, on l'a fait. Mais si on se rend compte qu'en réalité, en fait, il n'y a pas de socle, et que les problèmes nous tombent dessus, comme des rafales, à un moment donné, ben comme Camélia, quand elle a pris conscience, il faut prendre conscience. Et plus vite vous prendrez conscience, et plus vite, subhanallah, vous prierez, vous vous soignerez. On rappelle ici qu'on est de confession musulmane, donc chez nous, en fait, on suit le Coran et la Sunna, et la guérison, elle est dans la lecture du Coran, avec certitude et méditation. Et on en profite également pour rappeler la façon de se soigner, qui est très efficace. Il faut se laver avec des feuilles de jujubier et de l'eau sur laquelle on a récité du Coran. On va mettre 7 feuilles de jujubier. Parfois, quand on a des feuilles qui sont un peu cassées dans le paquet, on peut en mettre plus. On mixe tout ça dans un blender et on achète une grosse bassine, on met ça dedans et on se lave le plus longtemps possible. On peut se passer de l'huile également si on a des attaques et on retrouve sur la peau, par exemple. Il y en a qui vont avoir des psoriasis que les dermatos, ils n'arrivent pas à soigner, à contrôler, enfin des plaques,
voilà, ou ça peut être intérieur également, à l'intérieur de nous. Il y en a qui vont perdre leurs cheveux, il y en a qui vont sentir mauvais. Il y a tout un tas de trucs dans ce monde obscur. Donc, dans les gens de confession musulmane, on se lave avec de l'eau sur laquelle on a récité du Coran. On ajoute des feuilles de jujubier. Et on se lave le plus longtemps possible avec. Et surtout, on ne se pose pas la question de savoir, oui, mais là, ça fait une semaine, pourquoi je ne vois rien? Ou bien pourquoi mes symptômes ont augmenté? Il faut savoir que quand vous vous lavez, et c'est très important de le comprendre parce que c'est un schéma, il faut comprendre le schéma. En face, les attaques, elles vont se multiplier pendant un certain temps. Ça s'appelle tout simplement faire de la répression, voilà, ou de la politique de dissuasion. C'est pour que vous arrêtiez, en fait. Et en fait, si vous tenez bon, l'étape d'après, c'est l'ouverture progressive du mal. Voilà, comme avait dit une femme qui expliquait ce que c'était un envoûtement. Un envoûtement, c'est quand on vient créer une voûte sur une personne, on l'enferme. Donc au fur et à mesure, à force de vous laver, à force de lire le Coran et de l'écouter, et à force, donc de, si vous voulez, de faire une barrière spirituelle, eh bien le mal a du mal à vous atteindre. Comme ceux qui lisent la sourate la vache, sourate al-Baqara, et qu'ils en font un wird quotidien, donc une lecture quotidienne, une partie pendant la nuit et une partie pendant le jour, donc une partie au tiers de la nuit par exemple, ou au cœur de la nuit, et une partie pendant le jour. C'est une des plus grandes protections. Voilà, vous pouvez passer de l'huile sur vos plaies, à condition que voilà, ça ne les irrite pas, etc. En tout cas, l'huile c'est hydratant, donc au pire des cas, si vous n'avez pas une peau, une contre-indication médicale, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est gratuit, c'est à la portée de tous. Et c'est très important de le rappeler ici. Je rappelle également une chose très importante. Et tant pis pour ceux qui diront, oui, mais elle coupe l'histoire. Je coupe l'histoire, mais le conseil profite. Les conseils profitent toujours aux croyants, de n'importe quelle confession. Le conseil était le suivant. Plus vous vous laverez, plus vous passerez votre huile, plus vous vous attarderez sur vos invocations du matin et du soir qui ne sont absolument pas à délaisser, et vous lirez votre partie, même si vous êtes fatigué, attaqué, laminé, déprimé, tout ce que vous voulez, plus le mal va se dissiper. Plus le mal met du temps à se dissiper, plus, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez vous imaginer les immondices avec lesquels le sort a été jeté ou le mal vous a touché. Un petit mal, ça part rapidement. Un mal plus conséquent, ça met plus de temps. Si vous arrêtez le traitement en chemin, vous ne verrez pas tous les bénéfices. Vous n'en verrez qu'une partie et c'est normal. Donc Allah, il aime les endurants, les patients et les endurants. Il faut endurer, il faut faire ça. Les sœurs, j'ai déjà eu comme question, ouais, mais les cheveux, on fait comment, etc. À un moment donné, il faut choisir. La guérison, subhanallah, c'est un processus, ça va durer un temps, mais on en a besoin. Donc du coup, les cheveux, il y a plein d'autres manières de les embellir. Je parle de celles qui ont le hijab. Subhanallah, celles qui n'ont pas le hijab. Vous voyez midi à votre porte, mais subhanallah, c'est un peu pareil. L'idée est que il faut se laver de la tête aux pieds avec l'eau et avec l'huile. Et il faut que ça dure dans le temps. Donc du coup, c'est vrai que si vous avez l'habitude d'avoir une certaine coiffure, etc., eh bien, il va falloir faire autrement. Tout simplement. Et il va falloir justement persévérer parce que justement, plus ça dure, plus c'est quelque chose de fort qu'on a fait contre vous. Alors ça peut être, c'est pas forcément un sihr, ça peut être une attaque mystique et subhanallah, c'est, dans tous les cas, c'est injuste. Dans tous les cas, c'est pas juste. Pas vis-à-vis d'Allah, mais vis-à-vis de ces choses qui provoquent, qui cherchent à vous provoquer dans votre santé mentale, dans votre bien-être, dans tout un tas de choses. Donc, Allah, lui, il ne manque jamais à sa promesse. Allah, la yukhlifu al-mi'ad. Il ne manque jamais à sa promesse. Donc, n'hésitez pas, ne faites pas comme Camélia. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont peur et qui vont dire, oui, mais non, ça, c'est du domaine de la psychologie, il ne faut pas que je tombe là-dedans. Bon, c'est bon, tout n'est pas la ruqya, tout n'est pas le sihr. Alors que les remèdes, là, ils sont gratuits. Ils ne sont pas préparés par des gens dont on pourrait se méfier ou on pourrait douter des intentions. Non, vous lisez vous-même. Vous pouvez lire Ayat al-Kursi cette fois, Surat al-Fatiha cette fois, Al-Maw'idatan, donc Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Vous mettez ça dans l'eau et vous vous lavez. Et si vous avez la possibilité d'y ajouter, pour ceux qui arrivent à lire l'arabe,
les versets qui sont spécifiques à vos problèmes, par exemple, les versets qui parlent des pactes, quand c'est pour des pactes, les versets qui parlent de la désunion entre un homme et son épouse, les versets sur Moïse, Moussa, alayhi salam, concernant sa rencontre avec Pharaon quand il a jeté le bâton, quand Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé sur le mont sacré et il lui a donné en fait de quoi montrer à Pharaon qu'il n'est pas puissant, il n'est simplement qu'une créature comme toutes les autres. Enfin, vous mettez des versets spécifiques et vous les répétez. La répétition des versets, c'est prouvé. C'est du domaine de l'expérience. C'est prouvé. Ça amène quelque chose. C'est spirituel. Ça, le dhikr, les invocations. Vraiment, n'hésitez pas. Et encore une dernière petite chose. Après, promis, on repart sur l'histoire. Sur le témoignage, subhanallah. N'oubliez pas une chose. Les temps pour les invocations. Quand il pleut, à la rupture du jeûne, au tiers de la nuit, dans la prosternation. Il y en a d'autres, ça m'échappe, mais il y en a d'autres. N'hésitez pas à invoquer Allah avec certitude. Il se passe des choses dans le monde invisible. Quand vous vous invoquez ou vous vous levez la nuit pour prier, il se passe des choses. Il faut en avoir la certitude. Le travail du diable, c'est de vous faire croire le contraire. Et c'est comme Camélia là. Le travail du diable, il a consisté en quoi? Il a consisté à lui faire croire que non, mais elle se faisait des films. Alors qu'elle ne se faisait pas des films, elle était vraiment attaquée. Et elle avait pourtant en son fort intérieur un espèce de sens d'éveil développé qui lui faisait ressentir des choses étranges et dont elle aurait dû avoir une petite alarme en train de se dire « Bon, bah, c'est des sentiments étranges. C'est des choses que je ressens. Sinon, je suis une personne stable. » Voilà, je veux dire, c'est pas comme les gens qui sont atteints de certaines maladies ou qui sont la thyroïde et qui vont avoir des angoisses à cause de la thyroïde, même si, voilà, le débat sur les maladies auto-immunes, c'est encore autre chose. Je mets entre parenthèses. Mais bon, il y en a qui sont d'avis que tout ce qui est auto-immun, c'est d'origine occulte. Mais bon, soit. Prenez, buvons tous ensemble à la coupe du rappel. Ça ne peut être que profitable. Voilà, pour pas faire fuir le peuple, je retourne à l'histoire de Camélia, d'accord, et de Hani. Donc Camélia, elle a pris conscience, complètement pris conscience qu'il se passe quelque chose. Et que là, elle en a peur parce qu'elle se rend compte qu'en fait sur l'île cache des trucs. Les gens là, quand elle va dans les magasins, dans les petits trucs locaux, etc., les gens ils sourient, etc., mais elle peut voir en fait qu'il y a des choses qui collent pas. Un hôtel par-ci, un comportement par-là, l'ancienne voisine qui se mettait à parler dans une langue bizarre, etc., etc. Donc, elle avait essayé de convaincre Hani et c'était franchement énormément disputé. Ils avaient eu un gros accrochage en fait. Elle a dit, faut qu'on part, il se passe des choses. Je suis sûre que même toi, t'as remarqué, c'est pas normal. En plus, dans cette maison, il m'est arrivé des trucs. Tu vois bien, on se dispute plus. T'arrives plus à te lever correctement. On fait plus d'activité. C'est bizarre. Je sens qu'on est accablé par quelque chose. Il faut absolument fuir et tout. Hani, à ce moment-là, il est hypnotisé. On dirait qu'entre lui et son épouse, quand ils parlent ensemble, il y a un mur de glace. C'est-à-dire qu'il a le regard hagard. Il est complètement ailleurs. Il se lève, il fait des trucs pendant que Camélia elle parle, chose que Camélia n'accepte pas. Elle lui dit, mais tu réagis même pas à ce que je te dis, il faut absolument qu'on s'en aille, on est en danger, les enfants ils sont bizarres, toi t'es devenu bizarre, tout est bizarre. Et à ce moment-là, Hani, il en a rien à faire de ce qu'elle dit sa femme, puisque vous l'avez compris, il est plus trop lui-même et ses enfants non plus. Jusqu'à ce fameux week-end, les amis, où la famille elle va s'absenter pour passer un peu de bon temps ensemble, essayer de calmer les choses, etc. Ils vont faire un petit week-end, ils vont prendre ce qu'il y a à prendre, ils vont partir avec des amis un peu plus loin, sur la côte de la plage, de l'île. Et en rentrant de week-end, ils vont se rendre compte, en rangeant les affaires, que dans la salle de bain, la trappe du plafond, elle avait été ouverte en leur absence.
et il était grossièrement fermé. Et ça, le couple, il l'a remarqué tout de suite. Bizarrement, Hani, il a des moments de lucidité et il a des moments où il est complètement affable, complètement vidé de son énergie vitale, vidé de tout ça. Mais là, pour le coup, les deux, ils l'avaient remarqué. Car ils ouvraient jamais cette trappe. Ils ne l'ouvraient jamais. Ils avaient remarqué aussi ce jour-là que des objets ils avaient été déplacés. Et ils ne trouvaient pas certains objets. Il n'y avait rien qui était cassé, il n'y avait pas d'effraction. Mais il y avait des choses qui avaient bougé. Ils avaient cette impression, et ce n'était pas la première fois qu'ils avaient cette impression d'ailleurs, que des personnes, en leur absence, venaient et touchaient. Il y avait des choses qui bougeaient, il y avait... Mais ils ne savaient pas pourquoi. Aussi, il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que souvent, dans leur nouvelle maison là, du style victorien là où même tous les événements sont en train de se passer, il y avait souvent en fait des dames, des vieilles dames du fond de la rue en fait qui passaient et qui repassaient, qui passaient, qui repassaient et qui s'arrêtaient, qui regardaient la maison, qui passaient, qui repassaient. Et un jour, ils avaient interrogé en fait le monsieur de l'agence. Ils avaient dit mais qui sont ces gens-là en fait? Oui, ce sont des riches propriétaires qui habitent dans la rue et ça les intrigue. Ça les intrigue en fait. Les étrangers les intriguent. D'accord. Les étrangers les intriguent. C'est ce qui était resté dans la tête de Camélia. Et elle avait une voisine encore sur la rue, mais de l'autre côté. C'est comme si je vous disais les vieilles dames venaient de la droite et cette vieille dame-là, qui était d'une toute autre origine, elle venait de la gauche et elle semblait en fait se cacher dans sa maison. Donc quand ils sortaient pour aller se promener, souvent elle tirait le rideau et c'est pas un cliché, vraiment elle tirait le rideau et en fait elle observait et ensuite elle tirait fort le rideau en fait. Et tout ça, ça leur paraissait bizarre. Ils avaient aussi un voisin, un peu bon chic, bon genre. Lui, il était très étrange avec son épouse. Le genre de famille qui met pas de rideau pour que vous voyez ce qu'il y a chez eux. Et caméra partout, etc. Cet homme-là, particulièrement, il avait jeté un petit peu l'effroi dans le cœur du couple parce que ils avaient voulu en fait avoir ce contact avec un voisin. Bonjour. Voilà, on est les nouveaux voisins, etc. Et l'homme, il avait semblé en fait très souriant, très accueillant comme le reste de l'île. Sauf qu'à un moment donné, et ça, je suis sûre que si vous l'avez déjà vécu, vous trouvez ça trop bizarre. En tout cas, nous, c'est notre cas. En partant, il disait, Henny et sa femme, ils faisaient un petit signe de la main, au revoir et tout, à bientôt et tout. Et ils ont vu l'homme se tourner et changer de visage. Changer littéralement de visage. Et là, en fait, ça a jeté l'effroi. Dans leur cœur, ils se sont dit, mais il est trop bizarre. Supposons que vous faites ça. Vous le faites pas devant les gens. Déjà, il faut pas faire ça. D'accord? Faut essayer d'avoir des cœurs sains, etc. Mais quand quelqu'un fait ça, vous dites, je ne vais pas m'entendre avec cette âme. Cette âme est étrange. Moi, j'ai donné mon sourire, je l'ai donné du fond du cœur. Mais cette âme-là, elle est étrange. Et ce voisin-là, voilà. Bref, voilà un peu le contexte. Donc, ce jour-là, pas d'effraction. Ils ont donc appelé l'agence. Mais l'agence dit, rien n'a été signalé. Il n'y a pas eu de cambriolage. Il n'y a rien eu. C'est étrange. Et dites-vous, ce fait va se reproduire plusieurs fois, sans que l'omerta ne soit brisée. Tout semblait se savoir, mais tout semblait être très secret. Mais pourtant, tout était découvert. Donc, en fait, en gros, tout ce charabia pour dire que les gens qui faisaient ça, ils le faisaient et savaient que le couple allait de toute façon le remarquer. Mais en même temps, quelqu'un couvrait ces gens-là. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, le couple ne sait pas qui venait chez eux et qui faisait ça. Donc, Camélia avait bien insisté auprès de Henny pour avoir une caméra. Mais lui aussi était devenu donc sans volonté, sans conviction, plus de détermination. Comme il avait juste envie de dormir et de s'isoler, c'était aussi une des raisons en fait des disputes du couple. Elle voulait des caméras pour pouvoir attraper la main dans le sac ces personnes. Et elle se sentait très mal entourée quand même, faut le dire. Ils avaient déménagé
parce qu'ils avaient voulu s'éloigner de la voisine qui avait parlé seule et toute cette aura négative, etc. Et ils avaient trouvé pire. Mais vous allez voir que le pire est à venir. Le coup de grâce s'est présenté un soir d'octobre, alors que Camélia était rentrée tard. Elle avait dîné seule, tranquille, tout le monde était au lit. Elle s'était mise à l'aise, elle avait terminé donc son repas, tranquille. Quand 2 heures après, alors que jusque-là rien n'était venu faire trembler autant la vie de cette famille que les petits événements qu'on vient de citer, le plus gros va s'abattre sur eux. Camélia va ressentir ce soir-là une attaque invisible d'une rare puissance sur elle. Ce jour-là, elle a senti qu'on voulait la tuer. À partir de là, elle a vécu une descente aux enfers. Je veux toute votre attention parce que c'est par étapes en fait. Et là, quand on se réveille, ben on essaye d'aller vite pour que ça aille mieux, pour prendre des dispositions. Mais le mal est là et le mal joue. Et Camélia, là, elle va en subir les grosses conséquences. Elle a développé, comme Chloé, tout d'un coup, à partir de ce soir-là et de cette attaque mystique très étrange, des maladies incroyables. Elle ne peut plus manger. Elle ne fait que vomir. Elle fait des crises étranges le matin, que le matin, et ce jusqu'à la prière du Asr. Au niveau de son cerveau, elle ressentait comme un étau se resserrer sur sa tête. Elle était à ce moment-là, plus elle-même du tout, complètement tétanisée, complètement paralysée par cette espèce de force qui faisait qu'elle ressentait que son cerveau s'écrasait sur lui-même. Elle ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Les médecins de Lille, eux, ils ont été consultés, mais ils lui disaient: mais il ne s'agit de rien d'autre, madame, que d'un état psychique. Vous êtes en dépression. Vous êtes anxieuse. Vous devriez prendre des antidouleurs et peut-être éventualiser quelques anxiolytiques pour dormir. Ça devrait faire l'affaire et qui sait, peut-être partir en vacances. Ça pourrait vous faire du bien. Imaginez le discours des médecins. Alors que il y avait quelque chose d'autre qui se fomentait en dessous. Donc, notre pauvre Camélia, à ce moment-là, elle est dans un état de dégradation, les amis, terrible. Elle passait ses journées à dormir ou à vomir et elle essayait de comprendre. Le peu de temps où elle était éveillée, elle essayait de comprendre ce qu'il se passait autour d'elle. Mais elle a atteint malheureusement un stade de maladie très, très, très avancé. Elle ne pouvait plus marcher, plus parler correctement, troubles cognitifs. Elle n'arrivait plus à rire. Son mari, il était paniqué comme jamais. Ses enfants, ils étaient dans une détresse incroyable. Et tout d'un coup, c'est pas tout. Déjà, ça, c'est terrible. Mais regardez ce qui va lui arriver encore à Camélia. Tout d'un coup, les gens commençaient à lui faire peur quand elle les fixait. Donc en fait, elle faisait quand même l'effort d'essayer d'être une épouse, une mère, parce que ses enfants lui faisaient mal au cœur. Elle essayait d'aller les chercher à l'école. Mais quand elle regardait les gens la terrifiaient comme s'ils étaient devenus des démons avec des faces étranges. Et elle ressentait une peur immense qui la faisait retourner dans la voiture et qui la faisait avoir tellement peur qu'elle s'est mise à prier. Elle essayait de comprendre ce phénomène et encore une fois, notre petit cerveau d'être humain fait en sorte qu'on essaye de se focaliser, de se focus sur des causes rationnelles, des maladies rationnelles. Et c'est normal. On rappelle ici que quand vous avez quelque chose, ok, il faut se traiter spirituellement. D'accord ? Le traitement est gratuit, il n'est pas dangereux. Se laver avec de l'eau et du jujubier, c'est pas dangereux. D'accord, lire sur de l'eau, sans mettre le jujubé, je précise. Juste lire sur de l'eau saine, pure, blanche, voilà, comme ça, comme vous l'achetez. Lire dessus et boire pour assainir et faire sortir la noirceur qui se cache à l'intérieur. Changer ses péchés en bonnes actions. Essayer d'être la meilleure version de soi-même. Lire le Coran, encore une fois, faire les invocations. Tout ça, ça va aider. Mais à côté de ça, il faut faire des examens. Il faut faire des examens pour éliminer tout problème avec le médical.
Voilà, parce que si vous avez une tumeur qui pousse et vous êtes là, oui, non, je vais me soigner, je vais me soigner, je vais me laver, je vais me laver, vous vous lavez. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Mais à côté, vous allez vérifier que vous n'avez pas aussi besoin d'un traitement médicamenteux chez des spécialistes. Et parfois, la subtilité aussi, elle est intéressante. Donc, je m'excuse encore une fois d'avoir coupé, mais la subtilité est intéressante. Parfois, on ne va rien trouver au scanner, on ne va rien trouver à l'IRM. Mais c'est parce que vous n'êtes pas chez des spécialistes de ce que vous êtes venu, faire observer. C'était le cas d'une jeune fille dont on avait eu aussi un témoignage. C'est une jeune fille qui était malade et qui l'est toujours, mais elle allait toujours à l'hôpital du coin qui n'avait pas de spécialiste de l'endométriose. Donc elle revenait toujours avec un scanner normal et elle était pliée en deux, en quatre, en six, en combien vous voulez, de douleur. Le jour où elle a été chez un spécialiste, une spécialiste, une radiologue interventionnelle par exemple, qui est une spécialiste ou un spécialiste de la radio et de certaines zones, ils lui ont trouvé l'endométriose. Elle a des problèmes avec l'invisible, c'est une chose, et elle se traite certainement pour ça, et elle a à côté de l'endométriose. Et après, c'est facile de jongler et de se dire, tiens, peut-être que les attaques, elles se font plus fortes sur des choses qui sont déjà abîmées en moi. Donc, je vais les soigner. On me donne tel et tel traitement, etc. Et chacun voit midi à sa porte avec son médecin si c'est bénéfique, si ça convient, etc. Et ensuite, à côté, rien n'empêche de se laver et de retirer la partie spirituelle, puisque la partie spirituelle est gratuite. Mais on ne fait jamais le contraire. On va faire que le spirituel et on laisse le médical. Non. Allah, il a descendu les maladies et il a descendu les remèdes qui vont avec ces maladies. Et nous, on prend tout en tant qu'être humain. Parenthèse fermée, je continue. Donc, à ce moment-là, elle est dans un état psychique terrible. D'accord. Elle voit les gens commencent à lui faire peur, donc elle ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Les médecins ils lui disaient non, mais c'est bon, tu es en dépression, etc. Camélia, à ce moment-là, elle pense à une maladie psychologique. Elle se dit en fait, j'ai développé peut-être à force de penser à tout ça ou tout ce qui m'est arrivé, etc. Parce que là, elle le conçoit. Elle conçoit en fait qu'il y a une part qu'elle ne s'explique pas. Et pour quelqu'un qui aimait garder une distance en fait par rapport à la religion, par rapport à tout ça, elle est obligée en fait de se rendre compte à son échelle, puisque c'est à elle que ça arrive et c'est à sa famille, qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas en fait avec le rationnel. Et donc là, elle se laisse une chance en se disant « c'est peut-être une schizophrénie ou une autre maladie mentale, comme par exemple le lupus du cerveau. » Voilà, ça c'est une maladie, les gens ils n'y pensent pas forcément, mais il y a des gens qui ont un lupus et ils sont atteints dans le cerveau. Et ça fait des petits dégâts jusqu'à ce que ce soit pris en charge. Mais devinez quoi? Après examen, Camélia, elle n'a rien. Tout était absolument normal. Ses résultats étaient tous très très bons. Alors qu'elle, elle avait perdu environ 30 kilos et que toute l'île la terrifiait. Elle avait à présent l'apparence d'une roula, comme on dit chez nous. Un monstre amaigri, cerné, plus de masse musculaire, très peu de cheveux, pas de force. Bon, la famille était donc là dans une tourmente effroyable, les amis. Mais en tout, bon battant et personne très gentille, simple, qui avaient au départ un état d'esprit très optimiste, ils ne vont pas s'arrêter là. Et une série d'examens médicaux bien plus sophistiqués les uns que les autres vont venir être effectués. Vous avez compris, ils vont aller chez des spécialistes. Mais tous les examens des spécialistes vont revenir négatifs, ce qui va venir agrandir le mystère et l'effroi dans le cœur de chaque membre de cette famille. Après ça, Hani, lui, il va prendre une claque dans la figure, si on peut dire ça comme ça. Et il va devoir se réveiller brutalement, en fait, de cette espèce de poids qui l'alourdit, cette espèce d'hypnose, d'envoûtement. Et après avoir fait quelques recherches sur des cas comme Camélia, où aucune maladie n'était retrouvée après les meilleurs des examens, et il va commencer à comprendre ce qui leur arrive
à elle, à lui et à ses enfants. Ils étaient victimes de magie noire puissante et des démons d'une race supérieure étaient en train d'essayer de tuer sa femme qui, elle, se battait et essayait de survivre la pauvre comme elle pouvait. Et là, ça fait l'effet d'une tollée dans la tête de Henny. Il décide de déménager rapidement. Ils sont allés en urgence à l'agence du premier monsieur. En fait, celui qui était super gentil et tout, qui était devenu leur ami en fait. Pas l'autre, pas le cousin vachement protocolaire et tout. Non, le premier qui semblait être en fait quelqu'un de très gentil en fait. Sur cette île, mais très gentil. Et à leur grande surprise, en voyant Camélia, le monsieur, il s'est mis à se sentir très gêné. Et en fait, Henny l'a senti, il était trop gêné. Il semblait étrangement comprendre l'urgence dans laquelle cette famille elle était. Comme si, en fait, comme si c'était pas la première famille à avoir vécu cela. Et c'est pas la première famille, en fait, que lui y voyait comme ça. Et en fait, comme si c'était une habitude. Et ils ont senti une grande compassion, en fait. Et vous savez, comme quand vous avez quelqu'un qui est là, en fait, vous sentez qu'il a trop envie de vous défendre, en fait. Quoi, comment ça, on vous a fait ça c'est pas vrai, ils ont encore osé, je suis là, en fait, je vais pas vous laisser. Et ben lui, il était dans cet état d'esprit-là. Et il leur dit tout de suite, j'ai une maison pour vous si vous le souhaitez. Avant même que Henny y parle, ils se sont assis au bureau. Il a vu l'état de Camélia. Il a vu la tête à Henny. Il a compris. Et avant même que la discussion se fasse, il leur dit, j'ai une maison pour vous. Si vous le souhaitez, elle est disponible tout de suite. Et subhanallah, vraiment, le couple, il a vraiment ressenti une compassion de sa part. Et vraiment comme s'il leur disait, je sais que vous êtes attaqués, je sais qui fait ça, je ne peux pas le dire, je vais vous aider. Et là, ils ont accepté et ils ont emménagé dans la nouvelle maison à la vitesse grand V. Vous imaginez bien, ils se sont enfuis, ils ont pris toutes leurs affaires, ils ont fait le nécessaire, des amis sont venus les aider. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Parce que en entrant dans cette nouvelle maison, qui était plus modeste. Le soleil y frappait vraiment le salon de sa lumière. On pouvait y sentir une chaleur très agréable, une lumière. Voilà. Camélia, elle s'est sentie vraiment bien dans cette maison. Pourtant, encore une fois, il y a eu des choses qui se sont révélées traumatisante, mais vraiment traumatisante pour ce couple et en fait cette famille en fait, parce que après quelques jours, ils avaient assisté en rentrant chez eux encore une fois à une scène complètement dingue, mais totalement glaçante. Là, sur le plan de travail de la cuisine, ils ont trouvé les restes d'un rite inconnu que les propriétaires étaient tranquillement venus pratiquer pour appeler des esprits gardiens, comme ils disaient. Sans la permission du couple. Je rentre chez toi, je fais mes affaires et je sors. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adhim. Il y en a qui font ça avant. C'est-à-dire des propriétaires qui font ça quand ils savent que, voilà, qu'ils ont des futurs locataires. Ils font ça juste avant. Ils ne le cachent même pas aux locataires. Ces gens-là, ils rentrent. Ils font leurs affaires mystiques et ils ressortent. Voilà. Après, les esprits qu'ils ont appelés, enfin, les démons qu'ils ont appelés, on ne sait pas. Voilà. Ou les djinns qu'ils ont appelés, parce que c'est pas forcément les djinns, c'est pas forcément des... Il y a des djinns bons et des djinns mauvais. Mais on ne sait pas. Eux, ils ont appelé qui? Ensuite, les familles entrent dans les demeures et doivent cohabiter avec parfois des entités donc, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Donc là, c'était la foi de trop parce qu'ils rentrent chez eux, ils trouvent ça, ils sont traumatisés. En fait, vous l'avez compris, sur cette île, les gens paraissaient être comme vous et moi, comme la plupart des gens.
alors que dans la réalité, ils étaient beaucoup plus impliqués dans des rites pour avoir des gardiens dans leur maison ou sur leur terre. Ils étaient investis en fait dans des rituels de magie, de protection, de voilà, ils avaient voilà, les sacrifices pour eux c'est pas un problème. Enfin, et du coup, avant de venir sur cette île, ben ils savaient pas, voilà. Et je trouve ça intéressant quand même de se voilà. Alors oui, je pense que tout le monde veut le nom de l'île. On ne donnera pas le nom de l'île parce que, alhamdulillah, tout est la terre d'Allah. Et en fait, l'idée, le concept, à travers ce témoignage, cette histoire, c'est que peu importe où on va en fait, nous aussi on a des bagages spirituels qu'on peut ramener avec nous. C'est à partir du moment où on met une distance et on veut ignorer en fait ce monde-là, que les choses, elles peuvent ne pas se passer correctement en fait. Parce que exorciser sa maison, c'est possible. Tenir tête, le mal n'a jamais battu le bien. La lumière, elle entoure les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui entourent la lumière. La lumière, c'est trop lumineux. Allah, il ne manque pas à sa promesse. Il ne manque jamais à sa promesse. Après, certes, ça demande un peu de patience, ça demande de l'endurance. Et c'est vrai qu'on peut être franchement secoué, surtout quand on est effrayé, on est traumatisé. Et voilà, tout ça, c'est nouveau et on comprend. Mais bon, soit. Il faut quand même, à un moment donné, quand on est face à des gens qui sont dans une culture ou dans des états d'esprit ou ce genre de trucs, appelés des démons gardiens, c'est naturel chez eux. Enfin, si ça ne fait pas partie de votre philosophie, il faut tracer votre route. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Donc après ça, évidemment, la famille Z a plié bagages. On s'en doutait tous. Et elle s'est enfuie loin de cette île. Voilà. Et c'est là où elle a atterri dans l'espèce de cité un peu ghetto, où il faisait quand même bon vivre malgré la précarité. Voilà. Mais, cher ami, est-ce qu'on peut partir comme ça? Est-ce qu'on peut tout quitter et rien ne va nous suivre? Est-ce que parfois les choses, on ne les embarque pas avec nous? Pensez-vous que la famille Z a fini de vivre son calvaire? Eh bien, laissez-nous nous retrouver, Inch'Allah, dans la troisième partie de cette histoire, que je ne tarderai pas à poster, Inch'Allah. En attendant, pour ceux qui sont de passage, vous êtes les bienvenus. On vous laisse vous abonner pour ne pas rater du contenu comme celui-là, si ça vous plaît. Sur ces réflexions, on vous laisse. On vous dit, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce parce que ça nous fait trop plaisir. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans la nouvelle histoire. En attendant, comme on vous le dit souvent, ne sous-estimez pas le pouvoir des invocations parce qu'on n'est pas seul. À très très vite pour notre troisième volet de cette affaire. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.